Stefan Kraut, quand il était petit à l'école, on se moquait de lui et de son nom. Kraut tu pu, alors qu'il ne s'appelait comme ça que par adoption, après avoir été abandonné par sa mère puis par son grand-père. Une enfance bousillée. Cela peut-il expliquer le crime qu'il a commis pendant l'été 2001, le meurtre d'une adolescente de 16 ans, Karin Schaff, à Beach en Moselle? Bien sûr que non. D'autant que ce crime, il ne l'assume pas, il ne le reconnaît pas. C'était un accident, il avait bu, il avait beaucoup fumé de cannabis, il ne savait pas ce qu'il faisait. Cette affaire a fait la une pendant tout l'été 2001 et toujours le nom de Kraut a été accolé à celui de sa petite amie Péroline. Quel a été le rôle de Péroline dans le meurtre? C'est l'un des mystères de ce dossier. Dimanche 22 juillet 2001. C'est le début de l'après-midi dans la petite ville de Beach, en Moselle. Vers 14h45, Karin Schaff, 16 ans, prend son nouveau vélo, un VTT flambant neuf, que ses parents viennent de lui offrir après son bac de français. Elle a décidé d'aller voir une copine qui habite au bout de la zone industrielle, tout près du camp militaire. C'est la première fois que Karin s'en va seule, avec son vélo. Pour éviter la circulation du centre-ville de Beach, Karin contourne le petit lac. Elle traverse la nationale et gagne la zone industrielle. Un trajet de 25 minutes. Trois quarts d'heure plus tard, un homme qui roule dans la zone industrielle assiste à une scène étrange. Il voit une voiture blanche à l'arrêt qui tout d'un coup fait marche arrière, puis demi-tour. Et quand il arrive là où la voiture était stationnée, il découvre sur le bas-côté un vélo accidenté. Au loin, la voiture blanche quitte la zone industrielle en direction de la ville voisine d'Agno. Son conducteur a l'air de prendre la fuite. Le témoin appelle immédiatement les gendarmes qui arrivent sur place à 15h40. Les gendarmes découvrent sur la route une bicyclette, B-twin, avec la roue derrière voilée. Cette bicyclette est à cheval, une partie sur le terre-plein herbeux et une partie sur la route. À côté de cette bicyclette, on trouve la selle qui est sur la chaussée en plein milieu. Et on va retrouver des petits morceaux clignotants dans l'accotement herbeux, clignotants provenant probablement d'une voiture, puisqu'ils ne viennent pas de la bicyclette. Sur la route, on voit des traces de freinage, et au milieu de la chaussée, deux traces discontinues plus loin. Les gendarmes découvrent dans l'herbe un capuchon qui pourrait être celui d'une bombe à aérosol. Au même moment, vers 16h, le père de Karin et son grand frère Fabrice décident de rejoindre Karin chez sa copine. Ils empruntent la même route. En passant dans ce léger virage, on voit déjà une voiture et la gendarmerie et le vélo à droite. Je dis à Fabrice, c'est le vélo de Karin. Fabrice répond, non, non, non. Je dis, si, c'est le vélo de Karin. Bon, on ne s'est pas arrêté, on a continué notre chemin jusque les parents de la copine de Karin. Et en arrivant là-bas, on a tout de suite demandé, ben, où est Karin? Eh ben, elle n'est pas venue ici. Donc nous, c'est là qu'on a commencé à bouger, on a fait demi-tour, on est tout de suite allé voir si c'était vraiment son vélo. Il y a donc une voiture qui arrive, une parmi d'autres, un père de famille et son fils qui viennent à la rencontre des gens qui se trouvent là, et c'est en voyant la bicyclette, qui reconnaît cette bicyclette comme étant la bicyclette de sa fille, qui va dire au gendarme, voilà, je suis Monsieur Schaff, j'habite Beach, et c'est ma fille qui était sur cette bicyclette. Moins d'une heure après sa découverte, le vélo est donc identifié. Il appartient à Karin Schaff. Mais Karin, où est-elle? Elle n'est pas près de son vélo. Elle n'est pas chez son amie. Alors que s'est-il passé? Et cette voiture blanche, celle qui a percuté le vélo, Karin aurait été enlevée? L'homme qui a vu la voiture donne aux gendarmes un renseignement important. Il nous dira que le véhicule est un véhicule japonais, un véhicule de couleur blanche, avec un hayon, peut-être une Mazda.
Sur le lieu de l'accident, pas de traces de sang et aucun objet qui appartienne à Karine. La jeune fille s'est tout simplement évaporée. Il y a tout de suite un gros dispositif qui va se mettre en place dans les heures qui vont suivre. On va fouiller tous les abords dans les taillis. On va faire venir le chien de piste. On va faire venir un certain nombre de personnels. Les pompiers vont venir, des civils. Et on va fouiller cette première partie immédiatement. De son côté, Roger Schaff mène avec son fils Fabrice ses propres recherches. Karine, après l'accident, est peut-être repartie à pied, vers Beach. On a refait le trajet en sens inverse, on a fait tout le coin, la Nationale 62, on a continué pour voir si elle n'était pas à droite ou à gauche, quelque part dans les environs. Ce 22 juillet, vers minuit, les recherches sont arrêtées. Karine est introuvable. Les gendarmes décident alors en pleine nuit de faire appel au quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Le rédacteur en chef adjoint Jean-Claude Frey reçoit un appel des services de gendarmerie vers minuit ou minuit et demi, me semble-t-il, qui signale la disparition et demande la publication, si possible, pour le lendemain d'un petit communiqué qui décrit donc la jeune fille qui a disparu et qui fait déjà état d'une rencontre avec une tierce personne qui aurait pu être celui qui l'enlève ou qui l'a enlevée. Dès le lendemain, lundi 23 juillet, Les Dernières Nouvelles d'Alsace publient un appel à témoins. L'affaire Karine vient de commencer. Une soixantaine de gendarmes en treillis, des sapeurs-pompiers et des agents de l'Office National des Forêts élargissent la zone de recherche. On fouille partout, le long du camp militaire, dans les fossés, les chemins creux, les sous-bois ou autour de nombreux points d'eau de la région. Le même jour, une enquête en flagrant délit d'enlèvement et de séquestration est ouverte. Le vélo de Karine et les débris de clignotants sont envoyés pour analyse à l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, à Rosny-sous-Bois. Les gendarmes envisagent toutes les hypothèses. Toutes les portes sont ouvertes, comme on dit dans le jargon. Edith Schaft, vous êtes la maman de Karine. Après la disparition de votre fille, les gendarmes étudient toutes les pistes possibles, et notamment la piste de la fugue. Tout à fait, oui. Quand ils vous en parlent, est-ce que ça vous paraît imaginable? Non, à aucun moment. Karine était très équilibrée, on avait de bons contacts. Elle disait assez qu'elle était heureuse, qu'elle avait, par rapport à ses copains, ses copines de classe, qu'elle se sentait bien, qu'elle avait un beau cadre, qu'elle avait cette façon d'exprimer ses sentiments. Et donc, je savais que ma fille était bien dans sa peau. On avait un bon rapport mère-fille, même avec mon fils. Il n'y avait pas de conflit. Bon, les petites chamailleries de frères et sœurs, qui sont normales. Non, à aucun moment, quand on est venu me chercher, quand on m'a dit que Karine avait disparu, pour moi, ça a été immédiatement, elle a été enlevée. Madame Schaff, je ne sais pas si c'est votre avis, hein, mais les gendarmes donnent l'impression de se mobiliser beaucoup autour de la disparition de votre fille. Mais peut-être pas sur les tout premiers jours. Le jour où Karine a été enlevée, mon mari a demandé à ce qu'il y ait des barrages. Et quelques jours après... quand j'étais revenue à Beach, deux jours ou peut-être trois jours après l'enlèvement de Karine, j'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis les barrages tout de suite quand mon mari vous l'a demandé? On l'aurait peut-être retrouvé dans une voiture. Alors, il y a eu la réponse qui m'a toujours fait mal. Mais Madame Schaff, si on mettrait des barrages pour chaque fugue, il y aurait des barrages tous les jours sur les routes. Et moi, j'étais là à leur dire et à leur répéter que ce n'était pas une fugue. On appelle bien sûr les hôpitaux. Rien. Le signalement de Karine est diffusé partout en France et dans les pays frontaliers, en Allemagne et au Luxembourg. Chez les Schaff, on ne baisse pas les bras. Le frère de Karine, Fabrice, mobilise l'un de ses amis, patron de l'hôtel-restaurant de la gare, à Beach.
Fabrice, il agissait. Il ne s'est pas enfermé dans la douleur, la tristesse. Il avait besoin d'agir, il fallait qu'il bouge, et il a essayé de tout mettre en œuvre. Il se trouve que à cette époque, je dirigeais un service de reprogravure en mairie, et il a eu l'idée de faire des tracts, et il m'a demandé de mettre en route les machines offset pour faire un tract qui était destiné à être placardé partout, parce que Karine avait disparu et il fallait la retrouver. Les affiches surgissent sur toutes les devantures des magasins de Beach. Des copains de classe de Karine créent un site internet, ce qui est encore rare à l'époque, pour tenter de collecter des informations. L'hôtel-restaurant de Roland Hoff devient le centre névralgique de toute cette mobilisation. Et les habitants de Beach se lancent dans des battues. Il y avait des groupes qui partaient sillonner les forêts, les endroits les plus insolites. Dieu sait si le pays de Beach possède des forêts immenses avec des caches, ne serait-ce que les casemates de la ligne Maginot, qu'on a toutes explorées. Et on a même été jusqu'à survoler les forêts avec des ULM. C'est dire que vraiment, il s'est mis très vite des choses en place. La disparition de Karine attire beaucoup de journalistes. On est à la fin du mois de juillet. Et l'actualité nationale est plutôt calme. La presse locale voit donc débarquer les confrères parisiens. Très rapidement, les rédactions envoient des envoyés spéciaux à Beach parce que, on se dit que ça peut être le fait divers de l'été. La famille Schaff ouvre ses portes à ces journalistes débarqués en masse. Dès le 24 juillet, soit deux jours après la disparition de sa fille, Roger Schaff profite des médias pour adresser un premier message à d'éventuels ravisseurs. On aimerait bien faire appel à ces gens-là qui nous ramènent la fille, qui lui fassent rien, mais qu'elle la retrouve. Qu'elle la retrouve saine et sauf. Mais cet appel, comme les recherches menées par la gendarmerie, ne donnent rien. Toujours aucune trace de Karine. Dans ce genre de disparition, le temps joue en notre défaveur. Il est clair que plus le temps s'écoule et plus les chances de retrouver la personne vivante ou de survie sont délicates. On ne sait pas dans quelles conditions la personne peut être retenue ou gardée, ou alors elle est blessée et puis sans soins. Donc le temps qui s'écoule joue en la défaveur de tout le monde. Le 25 juillet, une cellule enquête disparition composée d'une quarantaine de gendarmes est mise en place à Sarreguemines. Un numéro vert reçoit des dizaines d'appels par jour. Ils viennent de la France entière. À chaque fois, il faut vérifier et recouper les informations. Dans le même temps, les experts du laboratoire auto de l'IRCGN identifient formellement les débris de clignotants. Le témoin qui avait appelé la gendarmerie de Beach le 22 juillet, ne s'était pas trompé. Il s'agit bien de débris provenant d'une Mazda, une Mazda 323. Mais il y a des milliers de voitures de ce type en France ou en Allemagne. Et impossible de les contrôler toutes. Il y a eu un choix d'enquête qui a été fait, à savoir qu'on a d'abord sélectionné les véhicules du proche environnement. Connaissant la configuration des lieux de Beach, on est quand même en dehors d'une zone de grand passage. On est dans les zones trois frontières, Allemagne, Luxembourg, France, mais on n'est quand même pas sur des grands axes routiers. La zone artisanale est une zone enclavée qui n'aboutit qu'au camp de Beach, donc nulle part. Donc on s'est concentré, on a fait un postulat en disant que c'était plutôt du local. Donc on est parti sur une théorie environnementale. Les gendarmes ne cherchent donc que les Mazda blanches immatriculées dans deux départements, la Moselle où l'accident s'est déroulé, et le Bas-Rhin. Ça fait quand même près de 8000 voitures. C'est à ce moment-là que tombent les premières expertises réalisées sur le vélo. Le laboratoire a continué ses investigations sur la bicyclette et de cette bicyclette a découvert un fragment de peinture. Ce fragment de peinture blanc identifié a permis de nous trouver l'année modèle qui est entre 83 et 86, ce qui nous a permis de réduire notre champ d'investigation sur ce type de véhicule.
On passe ainsi de 8000 Mazda 323 à une centaine seulement. Encore faut-il espérer que la Mazda de l'éventuel ravisseur soit immatriculée dans les deux départements visés. À ce moment-là, s'ouvre une nouvelle piste. Les gendarmes apprennent que deux militaires du 57e régiment d'artillerie de Beach se sont volatilisés le jour de la disparition de Karine. Intéressante coïncidence. Seulement voilà, 4 jours après la disparition de Karine, les deux soldats se présentent spontanément à la gendarmerie d'Épinal. Ils sont interrogés et mis hors de cause. Ils n'étaient que des déserteurs. Retour donc à la piste initiale, la voiture et le vélo. Le labo de la gendarmerie apporte un nouvel élément intéressant. Il a trouvé des traces de gaz lacrymogène sur la selle du vélo. On a de plus en plus vraisemblable un accident provoqué, puisqu'on a de la lacrymogène, donc il y a eu violence. Donc on n'est plus dans la fugue, on est bien dans le cadre d'un enlèvement, séquestration, dans un but ou dans un autre. Le bouchon retrouvé sur les lieux de la collision est donc celui d'une bombe lacrymogène. On a affaire à un enlèvement. Au fur et à mesure, la pression monte dans la population qui se dit « mais on a déployé tellement de moyens, on n'a rien, mais vraiment rien à se mettre sous la dent. Enfin, il n'y a pas de résultat concret, il n'y a rien du tout. » Ça fait maintenant 8 jours que Karine a disparu. Ses parents s'adressent une nouvelle fois au ravisseur. Nous, on espère que le ravisseur ou la personne qui l'a va se manifester d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il y a tellement de moyens par lesquels il pourrait se manifester pour dire où elle est ou comment elle va. Et on ne comprend pas. Tant qu'il l'a, ne l'aura pas retrouvée, je garderai espoir qu'elle a. Oui. Je ne vais pas accepter qu'elle soit morte. Non. Non. Je l'avais envie. Pour résumer, à ce stade de l'enquête, Madame Chat, vous avez des reproches à faire aux gendarmes? On est 9-10 jours après la disparition de Karine. 9-10 jours après, non. Ils vous tiennent au courant? Ils me tiennent au courant. Régulièrement? Tous les jours, matin et soir. Ils peuvent m'agacer à cause de cette histoire de fugue, c'est un fait. Mais leur faire des reproches à ce moment-là, non. Je crois que d'un certain sens, la porte de la fugue était un peu pour me rassurer. Quand je vois, quand j'essaye de réfléchir avec du recul, où ils me disaient qu'il y avait une fugue, où ils étaient obligés de me dire que l'autre solution, c'était peut-être... La mort. La mort de ma fille. Et je pense qu'ils s'étaient rendu compte que dans ma tête, la deuxième solution, je ne la voulais pas. Vincent Raffray, le 30 juillet, vous êtes jeune juge d'instruction à Sarreguemines quand vous prenez cette affaire en main. A priori, comment est-ce que vous abordez ce dossier compte tenu des premiers éléments qu'on vous livre ? Déjà, c'était un dossier très particulier avec l'agitation médiatique qui avait autour de ce dossier. L'omniprésence des journalistes se manifeste comment dès le début de cette enquête ? Très simplement, des journalistes partout dans le tribunal, des caméras partout dans le tribunal, alors que d'habitude à Sarreguemines, on était très tranquille par rapport à ça. Des coups de téléphone au cabinet d'instruction que la greffière doit filtrer. Des intrusions de journalistes dans le bureau sans qu'ils y soient invités. Au moment où vous prenez le dossier, vous pensez que Karine est encore vivante ? Au moment où je prends le dossier, ça doit faire en gros une semaine déjà qu'elle a disparu. Bon, on sait que les jours passant, les chances de retrouver la personne disparue vivante s'amenuisent. Donc il y a toujours l'espoir, bien sûr, mais je dirais que j'étais plutôt pessimiste. Hein. Avec les enquêteurs, on était plutôt pessimiste quand même. Les gendarmes suivent toujours la piste de la voiture. Ils contrôlent toutes les Mazda blanches de la région qui pourraient correspondre aux constatations de la police scientifique. Et le 31 juillet, dans le cadre de ces contrôles, ils se rendent chez un certain Stefan Kraut. Stefan
Stéphane Kraut habite rue de Brunstatt, à Mulhouse. Il a 23 ans. Il est originaire de Beach. Sa Mazda blanche est immatriculée dans le Bas-Rhin. Elle est garée en bas de chez lui. Les enquêteurs de Mulhouse ont vu la voiture dans la rue. La voiture ne présentait pas de traces de choc évidentes. Il faut reconnaître que c'est une voiture qui avait déjà à l'époque 17 ans, qui était moyennement conservée. Les gendarmes font le tour de la Mazda et l'examinent sous toutes les coutures. Ils remarquent que le clignotant avant droit est étonnamment propre, comme s'il venait d'être changé. Les enquêteurs constatent notamment qu'elle a 4 pneus neufs et que Kraut est à sa fenêtre et les regarde faire. Ils montent alors chez Stéphane Kraut pour lui poser quelques questions. Kraut habite avec sa compagne, une certaine Péroline Garino, âgée de 19 ans, et leur petite fille de 3 mois. Une fois dans l'appartement, les gendarmes sont intrigués. Ils voient un certain nombre de coupures de journaux. Ces coupures de journaux relatent tous l'affaire de Beach, que ce soit donc le journal local des Dernières Nouvelles d'Alsace, le journal de l'Alsace. Il a plusieurs revues. Il y a aussi un annuaire qui est ouvert avec une casse auto qui est entourée. Des indices qui, aux enquêteurs, paraissent intéressants. Lorsqu'ils vérifient un peu les différents documents qui sont à leur portée, ils se rendent compte que les pneus sur le véhicule, suite aux indications de Kraut et les preuves qu'il fournit, la facture, ont été changées le lundi 23, donc le lendemain des faits. Des clignotants neufs et des pneus neufs. Les gendarmes ont deux ou trois questions à poser à Stéphane Kraut. Il n'est pas plus émotif que ça et il va suivre les enquêteurs sans difficulté. Il n'a rien à se reprocher, il le dit, donc il consent à suivre les enquêteurs et à s'en expliquer sur toutes les questions qu'ils auront à poser. Sa compagne Péroline est emmenée elle aussi à la gendarmerie. La Mazda est saisie. Tous les deux sont placés en garde à vue. L'interrogatoire de Stéphane Kraut débute à 23h. Pendant trois longues heures, il raconte sa vie. Il est au chômage, c'est son père adoptif qui lui a acheté sa Mazda. Les quatre pneus neufs, il les a changés parce qu'ils étaient usés. Le clignotant, il était cassé. Que faisait-il le 22 juillet, jour de l'enlèvement? Il assistait à un défilé de voitures anciennes avec Péroline et leur fille. Bref, il n'a rien à voir avec la disparition de Karine. Péroline Garino est sur la même ligne. Il donne un emploi du temps, il donne des circonstances, aucun élément de concret par rapport aux faits que nous reprochons. Mais cette histoire de pneus neufs ne tient pas. Le procureur décide de maintenir Stéphane Kraut en garde à vue. Il ne reste que 24 heures pour vérifier ses déclarations. Après, il faudra le relâcher. Les gendarmes savent que les traces de freinage laissées sur la zone de l'accident proviennent de pneus de marque Michelin pour l'avant et surtout de marque Keen pour l'arrière. Des pneus rares. Ils se rendent chez le garagiste chez qui Stéphane Kraut a changé ses pneus. On va aller dans le stock des pneus usagés, voir si on trouve un certain nombre de pneus correspondant aux dimensions du véhicule. Et c'est à ce niveau-là qu'on va trouver 6 pneus pouvant correspondre. Donc on va trouver 4 Michelin, qui est quand même une marque très répandue, mais on va trouver seulement 2 pneus Keen qui sont dans ce stock. Donc ces pneus vont être saisis, transmis ensuite à l'Institut de recherche criminelle qui fera les analyses ultérieurement. C'est à partir de ce moment que Kraut sent qu'il est un petit peu plus acculé. Il y a quand même le problème de la casse auto qu'il a changé son clignotant avant. Et il faut quand même qu'il explique pourquoi il fait tout en même temps. C'est quelqu'un qui n'a pas de revenus et il se permet de changer 1200 francs à l'époque de pneus juste 24 heures après les faits. Pendant ce temps-là, Stéphane Kraut est toujours en garde à vue. Gérard Mater, vous témoignez un visage dissimulé parce qu'en ce moment, vous participez à des filatures et vous ne souhaitez pas qu'on puisse vous reconnaître. À l'époque, vous avez travaillé sur cette enquête et notamment, vous avez interrogé Stéphane Kraut. Qu'est-ce qui peut vous laisser penser qu'il peut aller plus loin 14 heures après sa garde à vue qu'il n'est allé au début de la garde à vue? Je lui ai raconté toute la matinée qu'on était en train de faire des vérifications téléphoniques, qu'il y avait des vérifications sur sa voiture, et que s'il était impliqué, à partir de maintenant,
ça allait apparaître. Par la police scientifique, quoi. Voilà, que ça allait apparaître par la police scientifique. Et je pense qu'à ce moment-là, il a réfléchi et puis on a discuté ensemble. On a partagé un casse-croûte. Et puis au bout du... en mangeant, il m'a dit, bon, écoute, c'est moi, c'est un accident, je peux te raconter. Alors il vous dit quoi ? Il me semble qu'il a dit qu'il ne sait pas pour quelle raison. Bah, il est allé dans la zone industrielle, qu'il a entendu un choc et puis il est sorti de la voiture. Il y avait la fille qui était couchée devant la voiture. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Dit-il. Alors il me raconte qu'il voulait la secourir, qu'il a mis Karine dans la voiture, qu'il a mis sur le siège avant, et qu'il est parti en direction de Haguenau pour la ramener à l'hôpital. Et qu'en conduisant, il a entendu un bruit sur la portière, et il a vu qu'elle avait encore son sac à dos qui était resté à l'extérieur et que le sac à dos l'a étranglé. Et ensuite ? Donc quand il a vu qu'elle était décédée, il s'est affolé. Et puis il m'a raconté qu'il est allé dans une forêt, donc le croquis qu'il m'a fait, qu'il a déposé le corps dans un chemin de terre, qu'à un moment il se réveille, où il semble se réveiller, qu'il était couché à côté du corps, et puis il ne sait pas pourquoi, il a pris un bidon d'essence qu'il avait dans la voiture et qu'il a brûlé le cadavre. Vous croyez cette version, vous ? Le début, oui, mais après, ça ne tient plus la route. Qu'est-ce qui ne colle pas, selon vous ? Il y a quand même l'usage de la bombe lacrymogène, ça tient pas l'accident. Ça ne tient pas. 4 heures plus tard, l'adjudant-chef Mater interroge à nouveau Stéphane Kraut, qui modifie son récit. Il n'était pas seul dans la voiture au moment de la collision. Un certain Sébastien Suc, un de ses amis, était présent. C'est lui qui a aspergé Karine de lacrymogène. Les gendarmes interpellent ce nouveau suspect et le placent en garde à vue. C'est quelqu'un qui a une déficience mentale importante, on va dire qu'il est assez simplet, et qui reconnaît bien qu'il était à Beach, qui va décrire Kraut comme son mentor, hein, qui l'emmène où il veut, qui le laisse faire, hein, c'est lui qui dirige. Sébastien Suc explique aux gendarmes qu'il a passé la semaine précédant le drame chez Stéphane et Péroline. La veille de la disparition de Karine, il affirme que Stéphane l'a ramené chez lui à Beach en voiture. Et va surtout, heureusement pour lui, nous donner son emploi du temps du dimanche, qui va être corroboré et vérifié, qui s'avère avoir été joué à la pétanque dans un tournoi à 30 km de Beach. Sébastien Suc n'était donc pas avec Stéphane Kraut le jour du drame. Il n'a rien à voir avec cette histoire. Alors pourquoi Stéphane Kraut a-t-il voulu impliquer son ami dans cette affaire ? Au cours de sa garde à vue, Sébastien Suc révèle que Kraut lui aurait dit qu'il avait envie de carotter une fille. S'il dit vrai, alors peut-être n'a-t-il pas renversé Karine par accident. Mais pour l'instant, impossible d'affirmer que l'accident était volontaire. Rien ne démontrait qu'il allait trouver le dimanche après-midi quelqu'un qui circulait sur la zone artisanale, d'autant plus que Karine Schaff, la victime, personne ne savait qu'elle allait passer là, elle n'était pas coutumière. Je ne peux pas en tirer la conclusion qu'il cherchait quelqu'un. Péroline, à son tour, modifie son récit. En fait, elle savait. Stéphane lui avait dit qu'il avait eu un accident mortel avec une jeune fille. Elle a voulu qu'il aille voir la police, alors il l'a frappée. Elle n'a pas insisté. Même si elle a menti, le juge d'instruction considère qu'à ce stade, elle n'a pas joué de rôle direct dans cette affaire. Les gendarmes la relâchent. Le lendemain, Stéphane Kraut est conduit au palais de justice de Sarreguemines, où le juge Raffray le met en examen pour enlèvement, séquestration, suivi de mort. Le même jour, vers 16h, il conduit les gendarmes et le juge à l'endroit où il affirme avoir brûlé le corps de Karine, dans la forêt de Mutterhouse, à quelques kilomètres des lieux de l'accident. Évidemment, les journalistes les prennent en chasse, mais ils se heurtent à un périmètre de sécurité de 2 km autour de la forêt. Impossible d'approcher. Nous allons trouver le corps couché sur le ventre et en semi-carbonisé. Les conditions atmosphériques du moment étant plus de 35 degrés pendant une semaine font que le corps est aussi en état de décomposition avancée. Autour du corps, on va retrouver certains bijoux. On va retrouver un bracelet qu'elle avait autour du poignet, un bracelet autour de la cheville. Et plus loin, sur le terre-plein où se trouve la voiture, on va faire quand même un certain nombre d'investigations et on retrouvera divers éléments qui seront analysés ultérieurement par le laboratoire, dont des préservatifs.
des préservatifs. Et si Karine avait été violée? Et puis était-elle déjà morte lorsque Kraut a mis le feu à son corps? Le cadavre est immédiatement transféré à l'Institut médico-légal de Saint-Avold pour autopsie. À partir de ce moment-là, l'affaire Karine devient l'affaire Kraut. Elle ne fait que commencer. Madame Schaff, comment est-ce qu'on vous apprend la mort de Karine? Vous avez trois gendarmes devant vous. Vous vous dites maintenant, ils vont te dire dans quel hôpital elle est. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont bien là pour t'annoncer quelque chose. Ça fait deux jours qu'ils te disent qu'ils vont retrouver, qu'ils sont sur une piste. Donc là, ils vont te dire où elle est, dans quel hôpital elle est. Tu vas bientôt pouvoir aller la rejoindre. Et eux, ils attendent. Ils me laissent là et je les regarde et je me dis, quand est-ce qu'ils vont décider à dire où est-ce qu'elle est? Et c'est là qu'ils me disent, mais enfin, Madame Schaff, vous auriez dû, vous vous doutez bien que... Et je les regarde et je m'adresse. Et j'ai vraiment l'impression, aujourd'hui, avec le recul, quand je vois les flashs de ce moment-là, d'accuser le gendarme qui venait tous les jours, et je lui lance... C'est pas correct, vous deviez la retrouver vivante, vous saviez que vous deviez la retrouver vivante. Et je me vois lui dire ça, lui expliquer qu'il devait la retrouver vivante. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 2 août. Il n'y a plus d'espoir à Beach. La jeune Karine serait morte le jour de sa disparition. Son corps a été retrouvé à 4 km de la ville. Un jeune homme de 22 ans dit l'avoir tuée par accident en la renversant avec sa voiture. À Beach, l'annonce de la découverte du corps de Karine suscite le chagrin et la colère. La ville est touchée en plein cœur, et elle est touchée en plein cœur par le décès de Karine, mais aussi par cette souffrance. On ne comprend pas. On peut dire que toute la ville de Beach est derrière la famille de Karine, parce que c'est comme si on était touchés nous-mêmes. On a quand même un sentiment de colère, hein. On est quand même avec les parents aussi. Je veux dire, il peut arriver qu'on puisse écraser quelqu'un, qu'on puisse avoir un accident, mais de là à aller aussi loin. Nous la redoutions, cette issue. La pressentir, bien sûr qu'on la pressentait quelque part, mais on ne voulait pas y croire. Et bon, quand c'est arrivé, c'était d'autant plus douloureux. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour tout le monde, toute l'équipe. Le 4 août, le médecin légiste rend son premier rapport. Les gendarmes sont déçus. Ils n'apprennent rien sur les circonstances de la mort de Karine. La jeune fille a été victime d'un traumatisme crânien, ce qui veut dire qu'elle est peut-être morte des suites de l'accident. Je vous rappelle que la Thérèse avait déclaré qu'il avait vu un corps voler, que la tête avait heurté l'aile avant droite du véhicule. C'est un élément qui vient confirmer sa thèse. Alors ensuite, on a constaté également des fractures des côtes qui peut confirmer la thèse de l'accident. Mais le rapport dit aussi que lorsque Karine a été brûlée, elle n'avait ni pantalon ni culotte. On ne trouve aucune trace de textile brûlé sur cette partie du corps. Stéphane Kraut l'aurait-il violée avant de la brûler? Pour l'instant, impossible de le savoir. Il faut attendre les résultats complets de l'autopsie. À Beach, en tout cas, personne ne croit à cette histoire. Il n'y avait pas d'autre sujet de conversation dans toutes les villes, d'ailleurs, hein, puisque la population était directement concernée. C'était quelque chose de très fort, et évidemment les gens que moi je côtoyais, je n'ai pas rencontré un qui ait pu croire à cet instant à cette thèse-là. Quant à l'avocat de la famille Schaff, il est convaincu que Karine a été violée avant d'être assassinée.
Ce qui permettait d'admettre, dans un premier temps, déjà qu'il y avait viol, c'est que Karine était dénudée. Et de surcroît brûlée. Donc, dans un but assez évident, de faire disparaître des traces. Personne ne prend donc au sérieux les déclarations de Stéphane Kraut. Maître Gagneux, son avocat, comprend qu'en ce début d'instruction, la thèse accidentelle défendue par son client est totalement inaudible. Très sincèrement, j'ai eu le sentiment que c'était relativement plié d'entrée. Que très rapidement, la thèse criminelle a pris nettement le dessus sur l'hypothèse accidentelle. Stéphane Kraut vivait très mal cette situation parce que pour lui, il soutenait, envers et contre tout, que c'était un accident. L'affaire a été très médiatisée, il avait accès aux journaux, il avait accès à la presse audiovisuelle, il savait ce qui se disait. Il faut le répéter, cette affaire est très médiatisée. Tous les médias nationaux ont envoyé des reporters. On est au cœur de l'été, le reste de l'actualité est au ralenti. Et que vont faire les journalistes sur place? Eh bien, chercher à rencontrer et à interviewer la compagne de Stéphane Kraut, Péroline Garino. Je me suis doutée de quelque chose, j'avais des doutes. Mais en fait, je pouvais pas imaginer que en fait, le père de ma fille et puis mon copain quoi, pouvaient faire ça. Quoi. Je sais pas, en fait, je voulais pas y croire. C'était quelque chose que, pour moi, c'était impossible. Quoi. C'était vraiment impossible, quoi. En acceptant de parler aux nombreux journalistes, Péroline devient en quelques jours l'une des vedettes de cette affaire. Elle comprend aussi que pour que les journalistes continuent à s'intéresser à elle, eh bien, il faut qu'elle dise des choses, qu'elle parle, qu'elle donne des informations, qu'elle alimente les choses. Et donc, elle joue le jeu. Mais pour les gendarmes, Péroline ment. Elle raconte aux médias le contraire de ce qu'elle a déclaré en garde à vue. Selon ses dernières déclarations, elle savait et elle n'a rien dit de peur qu'il ne la frappe. Péroline Garino, la compagne, c'est un problème. Parce que tout au long de l'enquête, elle va raconter des histoires différentes. C'est vraiment raconter des histoires. Elle veut se rendre intéressante, elle va être très sensible à la caméra, à la presse, donc elle va courir de journaliste en journaliste, de temps en temps, de ci, de là aux enquêteurs, et donc elle va faire un amalgame de tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu, pour faire sa propre histoire. La suite de l'enquête va amener les gendarmes à se pencher sur l'histoire personnelle de Stéphane Kraut, sur son enfance, sur son adolescence, et ils vont découvrir un parcours douloureux, très douloureux. Stéphane Banvaart, c'est le nom de sa mère, est né à Mulhouse le 2 janvier 78, de père inconnu. Sa mère l'abandonne aussitôt et ses grands-parents le recueillent. Stéphane faisait ce qu'il voulait chez son grand-père, je veux dire, il était vraiment livré à lui-même, s'habillait pas, mangeait ce qu'il voulait. Par exemple, disait qu'il buvait du champagne, il n'avait que 5 ans, il buvait du champagne avec son grand-père. Son grand-père était quelqu'un qui s'alcoolisait de manière habituelle. Ça pouvait être des moments très heureux parce qu'il était le petit gamin de 5 ans choyé par son grand-père, mais ça pouvait être des moments très durs parce qu'on sait que le grand-père alcoolisé était violent. Sa grand-mère meurt alors qu'il n'a que 5 ans. Son grand-père refuse de le garder. Monsieur et Madame Kraut, des amis de la famille qui habitent Beach et qui n'ont pas d'enfants, proposent de l'adopter. Stéphane change de famille pour la deuxième fois et prend le nom de ses nouveaux parents. Les parents adoptifs à Stéphane Kraut sont un petit peu particuliers. Ce sont des gens très pieux, pratiquants, croyants. Lui est rigide, il est ingénieur en Allemagne, il dirige une équipe dans une entreprise allemande. Elle est complètement tournée vers la religion. On prie avant chaque repas, on égrène le chapelet dans la voiture. Enfin, ce sont des gens très très pieux. Chez les Kraut, la vie est austère, presque monastique. Et Stéphane a beaucoup de mal à se faire à cette nouvelle existence. L'éducation qui va être choisie par monsieur et madame Kraut, c'est une éducation stricte. Monsieur et madame Kraut vont vouloir faire que cet enfant réussisse dans la vie. Donc ils vont, j'ai envie de dire, vraiment, même par la force, à mon avis, essayer de faire de lui le gamin modèle que voulait monsieur et madame Kraut.
ça va pas aller sans mal. Ça va être même relativement douloureux. Lui mettra tous ses efforts pour refuser cet amour, hein, en disant « ramenez-moi à l'assistance publique, de toute façon je ne suis pas votre fils, tu n'es pas ma mère ». Voilà, je crois que le jour où il arrive, la première chose qu'il fait à table, c'est de tirer la nappe et de casser toute la vaisselle. Traumatisé par ses deux adoptions successives et mal à l'aise dans un environnement qui ne lui convient pas, Stéphane refuse cette famille qu'il n'a pas choisie. Et l'enfant, ce qu'il veut, c'est sa mère. Donc, le jour de la fête des mères, c'est vrai qu'il peut dire quelque chose d'aussi désagréable que « t'es pas ma mère, donc je te donne pas de cadeaux et je te fais pas de bisous parce que t'es pas ma mère ». Et c'est vrai qu'il va y avoir des épisodes très durs pour tout le monde. Et monsieur et madame Kraut vont en souffrir parce que quelque part, ils vont avoir l'impression que eux ne sont pas adoptés comme il voudrait l'être, et Stéphane refuse d'être adopté comme c'est prévu dans le jugement d'adoption. Au collège Saint-Augustin de Beach, Stéphane suit une scolarité sans histoire. Mais il a peu d'amis, c'est un enfant discret, renfermé même. Il supporte très mal les moqueries sur son nom de famille, un nom de famille qui n'est même pas le sien. Et Kraut, c'est un nom qui va avoir du mal à supporter, parce que de Kraut, on va en faire crotte. Et c'est crotte, 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 tu pues. Et Stéphane va être un gamin et un adolescent. Madame Kraut le dit avec beaucoup d'émotion en disant « il fallait que je le rassure, il fallait que je le rassure sur son apparence physique, il fallait que je lui dise qu'il était un beau petit garçon, qu'il était un beau jeune homme, il fallait que je lui dise qu'il était intelligent, il fallait que je lui dise que je l'aime, il fallait que je lui dise, il fallait que je le sente, il fallait que je lui mette de l'eau de toilette, il fallait que je lui dise qu'il sentait pas mauvais. » Stéphane se montre de plus en plus insupportable et violent envers ses parents adoptifs. Vers 10-12 ans, il commence à faire des crises de somnambulisme très spectaculaires. Il aurait retrouvé en plein été, en pleine nuit, avec un couteau dans le jardin, en train de hurler, enfin des choses assez particulières. Et les petits dérangements dont semble être affecté Stéphane Kraut vont les pousser jusqu'à le conduire chez un exorciste. On estime que cet enfant est possédé par le diable. On va donc le conduire chez un exorciste qui va l'asperger d'eau bénite et puis et il n'en sortira rien. Stéphane Kraut en tirera sans doute une rancune, encore une de plus, vis-à-vis de ses parents adoptifs. Et puis, Stéphane Kraut vit avec un secret. Il serait le fruit d'un viol. Son vrai père serait en fait son grand-père, celui-là même qui l'a abandonné. Lequel grand-père n'est pas vraiment le père de sa mère, mais son père adoptif. On ne saura jamais si ce secret est vrai. En tout cas, c'est lourd à porter pour un petit garçon. C'est un secret dévastateur. À partir de l'adolescence, les relations entre Stéphane et ses parents empirent. Monsieur Kraut décide alors, sur les conseils d'un ami psychologue, de tenir un journal. Sur son ordinateur, il se met à recenser au jour le jour ce qu'il appelle les points négatifs de Stéphane. Dès le début de l'affaire, il remet la disquette aux gendarmes. Alors Dominique, qu'est-ce qu'elle contient, cette disquette ? Alors, elle contient un seul fichier qui s'appelle Steph, le diminutif de Stéphane. Et cette disquette, eh bien, le père adoptif de Stéphane Kraut va la donner aux gendarmes le 9 août 2001. Et eux impriment le fichier qui est à l'intérieur, ça fait 25 pages, et c'est ça. Et ces 25 pages, c'est le récit par M. Kraut de ce que leur fils leur a fait endurer pendant 8 ans. Alors on plonge dans le cauchemar, on commence 1993. Stéphane Kraut a 15 ans. Il leur répète sans arrêt à ses parents adoptifs, « Vous me vouliez, vous n'avez qu'à m'assumer ». Quand on lui dit quelque chose qui ne lui plaît pas, écrit M. Kraut, il casse tout. Il fume énormément, il boit beaucoup d'alcool. Très souvent, il se lève la nuit en criant, saute du lit et court dans la maison comme un possédé. Il avait toujours un couteau de boucher dans sa chambre. Octobre 93, Stéphane s'avance vers mon épouse en lui montrant un cutter, la lame sortie. Son père écrit, « Le chemin que tu es en train de prendre est certainement le mauvais chemin. Il te mènera droit à la délinquance, peut-être même au banditisme. » À partir de là, ses parents vont lui dégoter au moins une quarantaine de fois un job, un travail. Ses parents font tout pour lui.
lui prenne un appartement, paie la caution, paie le loyer, paie le téléphone portable. Quand il va vivre avec Péroline, ça continue. Ses parents s'acharnent à l'aider. Ils vont lui porter des cartons de nourriture qu'ils laissent sur le palier. Pourquoi ? Parce que lui s'acharne à les fuir, à les mépriser, à les humilier, à les blesser. Quand ils arrivent, soit il n'ouvre pas la porte, soit il n'est pas là pour les recevoir. Et finalement, le 1er août 2001, M. Crotte écrit « Plus de signes de vie de leur part, Stéphane et Péroline, depuis le 23 juillet 2001. » Et le 23 juillet, Christophe, c'est juste le lendemain de la disparition et de la mort de Karine Schaff. Quatre jours après la découverte du corps de Karine Schaff, ses obsèques sont célébrées à Beach. Le lendemain, elle aurait eu 17 ans. Le 6 août, la ville de Beach est en deuil. En signe de solidarité, les commerçants ont abaissé leurs rideaux de fer. Edith Schaff adresse à sa fille un dernier adieu. Karine, ma fille, je t'aime. Au revoir. Beach est en larmes. Et du fond de sa prison, Stefan Kraut continue de dire que cette affaire n'est que la conséquence d'un terrible accident. Deux jours après les obsèques, le 8 août, l'affaire rebondit. Le journaliste Nicolas Bastuc contacte Péroline pour l'interviewer à nouveau sur Stefan Kraut. Ils se rencontrent dans un café de Beach. Dans un premier temps, elle nous parle de sa situation personnelle, de ses difficultés, des problèmes que lui cause sa petite fille Léa qui a 3 mois et qu'elle doit nourrir seule, et puis quelque part de sa vie gâchée. Et puis, au bout d'un moment, dans la conversation, sans que du tout on puisse s'attendre à ça, comme si elle nous demandait de lui commander une nouvelle Mentalo, hein, sans aucune émotion particulière, elle nous dit « Ben non, c'est pas comme il dit que ça s'est passé. Moi, l'histoire, je la connais de A à Z. Pour le moment, je me tais, mais le jour où je vais parler, ça va péter. C'est beaucoup plus grave que ce qu'il dit. » Le journaliste comprend que Péroline est prête à faire des révélations. L'entretien se poursuit. Elle dépeint un homme violent qui lui frappait dessus à coups de bâton, qui la contraignait à des rapports sexuels. Et puis, rapidement, comme ça, brutalement, elle nous dit « C'est Steph qui a fait le coup, il l'a tué, il l'a étranglé, il l'a violé. » Péroline a craqué. Une fois de plus, elle vient de changer de version et accuse maintenant Stéphane de viol et de meurtre. Le journaliste pense qu'il ne peut pas garder cette information pour lui. Et à ce moment-là, je lui dis « Tu penses pas que c'est plutôt aux gendarmes que tu devrais faire ces déclarations et plutôt qu'à nous ?» Et elle nous dit « oui, je veux bien, hein, mais c'est maintenant ou jamais. » Le journaliste appelle immédiatement la cellule enquête. Le capitaine Matisse emmène Péroline dans les locaux de la gendarmerie de Beach pour l'interroger. Lors de cette audition, Péroline raconte ce que lui aurait avoué son compagnon. Le 22 juillet, en début d'après-midi, Stefan Kraut circulait dans la zone industrielle. Trop vite. Il n'a pas vu le vélo de Karine, qu'il a percuté à 100 km/h. Il s'est arrêté et il a embarqué la jeune fille qui respirait encore. Voyant une autre voiture arriver, il a fait demi-tour et pris la direction de la forêt. En chemin, il aurait parlé avec Karine, qui lui aurait demandé de la relâcher, de la ramener chez elle. Une fois dans la forêt, Stéphane l'aurait sorti de la voiture en la traînant par terre. C'est comme ça qu'elle aurait perdu son pantalon. Il a mis le pantalon et les chaussures dans un sac. Il est retourné à Beach, jeter le sac dans une poubelle. Et puis il est revenu dans la forêt et il a violé Karine. Il a utilisé 2 préservatifs. Ensuite, il a brûlé le corps et il est rentré à Mulhouse. Quelques jours plus tard, il aurait dit à Péroline « Je l'ai tué et je pense l'avoir étranglé. »
Le récit est précis. Mais les gendarmes qui ont entendu Péroline changer 3 fois de version n'arrivent pas à y croire totalement. La déclaration de Péroline sur les faits, quand elle déclare que son compagnon lui a dit qu'il avait violé et étranglé la victime, c'est très important. Ça reste, je dirais pas ses élucubrations, mais ça reste des informations qu'elle nous donne, qu'elle dissème au gré de ses humeurs et qu'on doit après nous vérifier. Péroline propose alors aux gendarmes de les amener sur le lieu où Karine a été brûlée. Un lieu jusqu'ici tenu secret. Si Péroline les conduit au bon endroit, cela prouvera que Stéphane lui a tout raconté et qu'elle dit bien la vérité. Vers 22h, le capitaine Matisse fait monter Péroline en voiture et lui demande de lui montrer le chemin. Elle va nous conduire sans trop de difficultés jusqu'au bout, à partir du moment où on arrive dans la forêt, à l'embranchement qui monte, on va dire, sur le terre-plein où ça s'est passé. Là, elle commence à fondre en larmes en disant « je ne veux plus monter ». On se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle veut. Elle a été jusque-là et puis tout d'un coup, elle ne veut plus nous emmener sur les 50 mètres restants. Donc on se pose la question, est-ce qu'elle n'était pas avec le soir des faits? Pourquoi Péroline est-elle aussi émue? L'endroit lui rappellerait-il un mauvais souvenir? Peut-être a-t-elle participé à la crémation du corps de Karine? Elle ne dira rien de plus ce soir-là. Le capitaine Matisse ramène Péroline à la gendarmerie et la libère. Le lendemain, 9 août au matin, le juge d'instruction convoque Péroline dans son bureau. Elle confirme ses accusations portées la nuit dernière contre son compagnon. Monsieur le juge, que vous dit Péroline Garino? La première fois que vous la voyez dans votre bureau, on est le 9 août, hein. Péroline sait où ça s'est passé tout ça? Péroline le sait, puisqu'il lui a expliqué que c'était dans un endroit où ils avaient l'habitude d'aller pour avoir des relations sexuelles. Péroline et lui. Voilà. Donc elle sait parfaitement où ça se trouve. Elle sait parfaitement où ça se trouve. Tout à fait. Est-ce qu'elle dit si elle était avec lui ou pas? Non, elle dit qu'elle n'y est jamais allée, enfin qu'elle n'est pas allée à l'endroit où se trouve le corps. Ce qui est un petit peu troublant, c'est qu'elle donne beaucoup de descriptions du cadavre, de l'endroit, de choses. Donc elle utilise le style indirect. En fait, elle dit toujours c'est lui qui m'a dit que ça s'était passé comme ça et qu'elle était comme ça, qu'il y avait telle chose, qu'il y avait tel objet. Le jour de ce premier interrogatoire, lorsque finalement l'interrogatoire s'achève, d'après vous, elle y était ou il n'y était pas, Péroline? À ce moment-là, je ne me pose pas la question. Je crois que les gendarmes m'en parlent un petit peu. Eux, ils ont l'impression qu'elle en sait un peu plus. Hein, ils vous le disent? Oui, ils me le disent, oui. Mais de toute façon, vous, votre préoccupation, c'est Kraut, c'est pas Péroline. À ce moment-là, tout à fait. Hein, il n'y a que lui qui est mis en examen. Et je ne me pose pas du tout la question d'une éventuelle responsabilité pénale de Péroline Garino. Le jour même, le républicain Lorrain publie les révélations de Péroline. Elle est désormais l'accusatrice numéro 1. Pour l'avocat de Kraut, c'est une catastrophe. Si Péroline dit vrai, la thèse de l'accident s'effondre. Au fond de sa cellule, Kraut apprend qu'il a été balancé par celle qu'il aimait. Lui a l'impression que son seul soutien, puisque c'est la seule personne finalement qu'il a dans sa vie, eh bien, le quitte et l'abandonne et le laisse à son propre sort. Stéphane Kraut n'a plus le choix. Il décide de se confier à son avocat. Et c'est à ce moment-là qu'il me révèle qu'en réalité, Péroline, lorsqu'elle fait ses déclarations, ment, et que surtout, elle était présente avec lui lors de l'incinération du corps. Maître Gagneux demande au juge de recevoir Stéphane Kraut immédiatement. Après avoir vu donc Péroline le matin, l'après-midi, vous rencontrez Stéphane Kraut. Tout à fait. Il dit qu'il a des révélations à vous faire. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il raconte donc la chose suivante. Donc il a passé la nuit du samedi au dimanche tout seul dans sa voiture, à fumer du cannabis, à boire des bières, et puis qui a l'accident totalement involontaire. C'est-à-dire qu'il a heurté involontairement le vélo de Karine. Tout à fait. Donc ensuite, il dit qu'il a un trou noir et qu'il se réveille allongé dans l'herbe à côté de sa voiture et Karine à côté de lui, morte. Il dit qu'il l'a violée? Non, ça, il ne dit pas qu'il l'a violée. Par contre, il dit à ce moment-là
qu'il pense qu'il a pu avoir des relations sexuelles avec le cadavre. Il a prévenu Péroline quelques heures après. Dès qu'il rentre, effectivement, la première chose qu'il fait, c'est qu'il raconte à Péroline exactement tout ce que je viens de vous dire, hein, tout ce qu'il m'a dit. Et comment aurait réagi Péroline, selon lui ? Selon lui, elle a tout de suite pensé aux indices, aux preuves, à faire disparaître des choses, ce que lui n'avait pas du tout envisagé. Et ce qu'il dit, donc, c'est qu'ils sont retournés... Tous les deux, le samedi soir, avec leur petite fille à l'arrière, dans la voiture, pour incendier le corps de Karine. Donc vous allez revoir Péroline. Alors est-ce qu'elle vous confirme qu'au moment de la crémation du cadavre, elle est présente ? Non. Tout de suite, elle dit « c'est faux, je ne suis jamais revenu sur les lieux » et elle s'insurge contre les déclarations de son compagnon. Et tout de suite, elle dit « il veut m'enfoncer pour s'en sortir ». Son argument fort, évidemment, c'est qu'elle a sa petite fille, qu'elle habite loin des lieux de la mort de Karine. Donc, il était impensable qu'elle vienne avec le bébé. Si on regarde avec un petit peu de bon sens et de logique, effectivement, ça paraissait tout à fait incroyable. J'avais plutôt tendance à croire Péroline que Stéphane Crote, notamment parce que je savais qu'il avait mis en cause faussement déjà Sébastien Suc. Hein. Mon opinion, c'était plutôt celle-là à ce moment-là. Dès le lendemain, Péroline s'exprime à nouveau à la télévision et répond publiquement aux accusations de Stéphane. Je sais pas quoi penser. C'est dégueulasse ce qu'il a fait, quoi. Moi, il accuse Sébastien, après il m'accuse moi, donc je sais pas trop. Vous avez été étonnée qu'il vous accuse, vous voulez... Bah ouais, mais ça m'a étonnée parce qu'en fait il m'a écrit une lettre et tout, et ça m'a étonnée qu'il m'accuse comme ça. Je veux dire, il me disait tout le temps je tiens à toi, et puis du jour au lendemain il m'accuse, et puis c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Malgré la gravité des accusations portées par Stéphane Kraut, le juge d'instruction ne met pas Péroline en examen. Il la place sous le statut de témoin assisté, ce qui lui donne le droit désormais d'être interrogée en présence d'un avocat. Maître Lochère Lorioz rencontre sa cliente pour la première fois. La première réflexion que je me suis faite par rapport à Péroline, c'est qu'elle me semblait complètement dépassée par les événements et un petit peu à côté de la réalité. Je pense qu'à ce moment-là, elle ne réalisait absolument pas ni ce qui arrivait, ni ce qui était arrivé. Deux semaines après la découverte du corps de Karine, plus personne ne sait qui croire. Quelle est la bonne version ? Celle de Stéphane ou celle de Péroline ? On ne sait pas. On ne sait pas qui dit vrai, qui ment. Ce qu'on sait, c'est que visiblement, ça n'est pas un simple accident qui s'est produit ce 22 juillet et que Stéphane Kraut ne dit pas la vérité. Et on comprend à ce moment-là que sans doute les deux mentent et qu'ils en savent beaucoup plus que ce qu'ils veulent bien dire et que peut-être en les faisant parler, on aboutira à une certaine vérité. Pour tenter d'y voir plus clair, le juge d'instruction organise le 17 août une confrontation entre Péroline et Stéphane, désormais mise en examen pour viol, suivi ou accompagné de meurtre. Ils arrivent dans un palais de justice placé sous haute protection policière. L'atmosphère est électrique, on craint l'incident. Monsieur Raffray, à un moment donné, vous décidez, ce qui est assez logique et qui est une pratique courante en la matière, de confronter Stéphane Kraut et Péroline Garino, tous les deux assis dans votre cabinet avec leurs avocats respectifs. Tout à fait. Comment ça se passe ? Grosse pression, hein ? Si je me souviens bien, je crois que j'ai d'abord donné la parole à Stéphane Kraut, puisque c'était lui qui accusait un petit peu Péroline d'avoir fait quelque chose. Donc lui a confirmé sa version des faits. Et puis au moment où je donne la parole à Péroline Garino pour lui demander est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'elle en pense, elle ne répond pas. Elle croise les bras, elle baisse la tête et elle ne répond pas. Donc là tout de suite, je sens que c'était peut-être pas elle qui disait la vérité. Donc comme elle ne veut pas parler, je me souviens très bien d'avoir demandé est-ce que vous voulez sortir avec votre avocate, est-ce que vous voulez discuter un peu avec votre avocate. Donc elle me dit oui, donc elle sort un petit peu, au bout de quelques minutes, elle revient. Et donc là, Péroline confirme qu'effectivement, elle est revenue avec Stéphane Kraut sur les lieux où se trouvait le corps de Karine. Se pose la question du viol. Que disent Stéphane Kraut et Péroline sur le viol de Karine ?
Alors, l'a-t-il violé ou pas ? Stéphane Kraut a toujours nié viol de Karine. Péroline ne dit pas que Stéphane Kraut lui a dit avoir violé Karine. Et l'a-t-il tué ? Sur ce point, lors de la confrontation, il y a une chose que Péroline avait déjà dit et puis qu'elle a redite lors de cette confrontation, c'était que le 29 juillet, donc une semaine après les faits, il y avait une dispute entre eux et que Stéphane Kraut avait pris Péroline par le cou, par la gorge, en lui disant « arrête ou sinon il va t'arriver la même chose qu'elle ». Donc elle pensait qu'il était possible qu'il l'ait étranglé. Et ça, elle l'a maintenu jusqu'au bout. En reconnaissant sa participation à la crémation du corps de Karine, Péroline change de statut dans l'opinion. Elle éclipse même Stéphane Kraut. Personne ne comprend comment une gamine de 19 ans, jeune mère de famille, a pu faire une chose pareille. Le déchaînement de haine et de ressentiment se déporte sur Péroline, qui certes a commis des actes très très peu glorieux et que la morale peut lourdement condamner, mais d'un point de vue judiciaire, elle n'est ni complice, elle a tué personne, elle n'a pas provoqué les faits, elle a dissimulé des preuves d'une manière atroce, certes. Tout au long du mois d'août, Péroline continue de multiplier les versions et les revirements devant le juge d'instruction, comme devant les journalistes. Et le 31 août, elle enfonce encore un peu plus Stéphane. Elle l'accuse publiquement d'avoir renversé volontairement Karine. C'était pas un accident, en fait, c'était prémédité, c'était voulu, c'était fait exprès. Pourquoi? Il me disait toujours, je vais me faire une autre fille, j'en ai marre de toi. Voilà. Péroline reconnaît à nouveau qu'elle était bien aux côtés de Stéphane, dans la forêt, quand il a mis le feu au corps de Karine. J'allais fumer une cigarette et je marchais en même temps. Et machinalement, quoi, je me suis un peu rapprochée de l'endroit, enfin inconsciemment et tout. Et donc, j'ai vu quelqu'un allongé par terre, quoi. Mais Stéphane en train de vider les bouteilles d'essence. Je l'ai aidé. Je l'ai pas aidé physiquement, hein. Non. Moralement. Ah oui, j'étais avec. Monsieur Raffray, comment se fait-il qu'alors que Péroline a avoué qu'elle était là au moment de la crémation, qu'ensuite elle a dissimulé le crime, qu'elle a menti, comment se fait-il que vous ne l'ayez pas mise en examen et que vous l'ayez laissée libre ? Alors, il faut savoir que la non-dénonciation d'un crime est une infraction prévue par le code pénal, mais que le conjoint bénéficie d'une immunité. Donc on ne pouvait pas lui reprocher ce délit-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dénoncer quelqu'un de sa famille, quoi, pour résumer. Quelqu'un de très proche, effectivement. Après, restaient d'autres infractions qui étaient donc la modification de l'état des lieux d'un crime. Il fallait pour cela pouvoir prouver que Péroline Garino avait eu une participation active. Donc en fait, il n'y a qu'à partir de la fin août, début septembre, je ne pourrais plus vous situer la date exacte, elle revient voir les gendarmes, et là, elle dit, ben voilà, j'ai des choses sur le cœur, j'ai des choses à dire, et elle explique qu'elle a tenu les bouteilles d'essence, que peut-être c'est même elle qui a versé de l'essence sur le corps de Karine, qu'elle a ramassé des bijoux, qu'elle a brûlé des bijoux, qu'elle a brûlé une montre, donc là, il y a une participation active de sa part, et donc à ce moment-là, elle est mise en examen. Quoi qu'il en soit, vous la laissez libre. Vous comprenez que ça ait pu choquer. Tout à fait. J'avais bien conscience que l'opinion et que la famille ne trouvaient pas ça normal, mais moi, je reste un juge, hein, et j'applique le droit, et pour moi, la situation était celle-là. Donc, pour essayer d'évacuer ce problème de relation avec les journalistes qui troublaient l'instruction, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé sous contrôle judiciaire Péroline Garino, avec interdiction de s'exprimer en public ou en privé sur le dossier. Donc interdiction de parler aux journalistes. En gros, c'était ça. À ce moment-là, le juge d'instruction reçoit les deux rapports qu'il attendait. Le rapport complet du médecin légiste et le rapport du laboratoire de la gendarmerie qui a étudié les circonstances exactes de la collision. Ce qui va peut-être l'aider à faire la part des déclarations de Stéphane et de Péroline. L'expertise médico-légale a été délicate. Le corps calciné et putréfié ne contenait plus ni viscères ni organes. Impossible de déterminer
et cause de la mort. Pour comprendre ce qui a pu se passer, le docteur Monpère a comparé ses observations avec les déclarations de Kraut. Première constatation, l'accusé ne pouvait pas rouler à 100-120 km/h, comme il l'affirme. Aucun élément osseux, et en particulier au niveau des membres inférieurs, puisque c'est là qu'on percute habituellement soit un piéton ou un cycliste, comme c'était le cas de Karine, aucun élément osseux n'était fracturé. Ce qui est improbable à 120 km/h. Mais ça n'est pas la collision à vitesse réduite qui a tué Karine. Le docteur Monpère est formel. Karine a survécu au moins une heure. Mais alors, est-elle morte des conséquences du choc ? Si Karine avait été victime d'une hémorragie interne massive, telle qu'elle se serait produite lors d'un impact à vitesse élevée, elle n'aurait manifestement pas survécu aussi longtemps. Or, elle l'a, ça s'est microscopiquement prouvé. Ça permet donc, a priori, là aussi, d'écarter l'éventualité d'un décès par hémorragie interne, par lésion viscérale. Alors Karine, a-t-elle été brûlée vive par Stéphane Kraut? Elle n'est pas morte au moment de la crémation, elle l'était déjà, parce que lorsque on meurt vif dans le feu, il y a des lésions que l'on observe qui n'ont pas été observées. On a fait des prélèvements de peau à différents endroits et sur aucun des prélèvements on n'a trouvé les lésions telles qu'on les aurait trouvées s'il avait été incinéré vivante. Dernière observation. Les fractures des côtes relevées lors du premier examen n'ont pas été provoquées par l'accident. Elle résulte d'un écrasement par compression, comme si quelqu'un avait bloqué Karine au sol en lui écrasant sa cage thoracique. Ces blessures auraient-elles pu être infligées par Kraut lors d'un viol, par exemple ? On n'a pas pu le déterminer parce que justement, il n'y avait plus de viscères, il n'y avait plus d'organes génitaux. Donc on ne pouvait rien dire. L'analyse des deux préservatifs retrouvés sur les lieux de la crémation ne donne rien de déterminant. L'un d'eux est inexploitable, l'autre porte des traces d'ADN de Kraut et, surprise, de Péroline. Les deux accusés auraient donc eu une relation sexuelle après avoir mis le feu au corps de Karine. À l'issue de cette expertise, le docteur Monpère n'est sûr que d'une chose. Rien ne colle avec les déclarations de Kraut et on n'a pas pu déterminer les causes de la mort. Comme je l'ai dit, tout ce qu'on a pu déterminer, c'est qu'elle n'est pas morte accidentellement suite à la collision. Dominique, passons au deuxième rapport, celui de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, qui a travaillé sur les conditions techniques de l'accident. Est-ce qu'ils peuvent dire si c'est un accident volontaire ou pas ? Plusieurs éléments. D'abord, la version de Stéphane Kraut. Lui dit « Je roulais à 100-120 km/h, j'ai tenté de freiner, j'ai pas pu éviter Karine. » D'accord ? Ça, c'est sa version. On demande aux gens de l'IRCGN, aux experts, de dire si cette version-là, elle est plausible. Alors, ils vont travailler en fonction des éléments matériels découverts sur place. Ça, c'est la photo des lieux, avec la bicyclette de Karine ici, les traces de freinage. On va refaire un petit croquis. Donc, l'accotement, ici, d'accord. La bicyclette de Karine, elle est là. On va refaire les traces de freinage. Elles sont d'abord droites et ensuite, elles obliquent. On pense que le lieu d'impact, il se situe à peu près dans cette zone-là. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on retrouve la plus grande quantité de fragments de clignotants de la Mazda. D'accord. La bicyclette, elle a été projetée à 12 mètres. 12 mètres du lieu d'impact. Oui. Les traces de freinage, elles mesurent entre 7 et 9 mètres. Selon. Les gendarmes disent, voilà, on tient compte du poids de la voiture, on tient compte de l'état général de la voiture et surtout de l'état des freins, qui fonctionnent parfaitement bien. On tient compte de la longueur des traces de freinage et de l'état dans lequel on retrouve la bicyclette de Karine qui finalement n'est pas très abîmée. Et eux disent, après avoir mixé tout ça, le choc se produit à une vitesse de 30-40 km/h. Au lieu des 120 annoncés par Stéphane Kraut. Ça n'a plus rien à voir. Le fait que le véhicule ait roulé à 30 km/h au lieu des 120 annoncés rend plus plausible l'idée d'une percussion volontaire du vélo, quoi. Tout à fait. En tout cas, si c'est un accident, les gendarmes disent si c'est un accident, c'est un accident atypique. Monsieur Raffray, lorsque se termine votre instruction, il y a deux questions à laquelle vous êtes forcé de répondre.
Première question, est-ce que Crotte a volontairement percuté le vélo de Karine ? Effectivement, c'est la première question qui se pose, et pour tout un tas de raisons, donc ce qu'on appelle un faisceau d'indices, un faisceau de présomption, moi je réponds oui. Deuxième question, toujours au moment où vous clôturez votre instruction, Stéphane Kraut a-t-il violé la petite Karine ? Alors, pour moi, oui. Il me semble qu'il y avait des éléments qui laissaient penser que Stéphane Kraut avait violé Karine Schaff. D'abord, il y a ces déclarations d'une voûte lors de l'interrogatoire, dans lequel il dit qu'il pense avoir eu une relation sexuelle avec le cadavre. Il faut savoir également que Karine Schaff a été retrouvée dénudée à partir du haut. Donc, que faisait Karine déshabillée, hein? Pourquoi était-elle déshabillée, si ce n'est pour lui faire subir des violences sexuelles. Et troisième point, des fractures avaient été constatées par les médecins légistes, mais il s'agissait de fractures par écrasement, si je puis dire. Hein. Enfoncement de la cage thoracique. Exactement. Hein. Donc, selon les médecins légistes, c'était très très peu probable que ça ait pu se passer lors de la collision. Donc on pense à Stéphane Kraut qui se met sur Karine, hein, et puis qui lui fait subir ses violences. Ça correspond à ce qui peut se passer lors d'un viol. Stéphane Kraut est renvoyé devant la cour d'assises pour enlèvement suivi de viol et de mort. Il encourt la prison à perpétuité. Péroline, sa compagne, est poursuivie pour délit de modification des lieux d'un crime. Elle risque 3 ans de prison maximum, mais elle ne sera pas dans le box des accusés avec lui. Elle comparaît libre. 15 octobre 2004, palais de justice de Metz. Le procès de Stéphane Kraut et de Péroline Garino, les amants diaboliques de Beach, s'ouvre enfin, après plus de 3 ans d'instruction, dans une atmosphère électrique. Le palais est envahi par une foule assez importante. C'est-à-dire les personnes qui veulent assister à ce procès. Ça va être impossible parce que la salle est trop petite. La salle est occupée essentiellement par la presse, parce que la presse était très très présente à ce procès. Les conditions de sécurité sont drastiques. On sent qu'effectivement, les gens qui sont là dans le public viennent pas parce qu'ils ont un doute et qu'ils ont envie de connaître la vérité. Ils sont là parce qu'ils ont envie de voir la tête du monstre et de la garce. C'est leur expression. Pour tous, il est évident que l'issue du procès va reposer essentiellement sur les déclarations de Stéphane Kraut. On espère quand même très ouvertement que Stéphane Kraut va enfin se mettre à table et enfin révéler tout, toute la vérité et qu'il dise et qu'il prouve la véracité de ses faits, quoi, de ses propos. Pour la famille Schaff, l'audience s'annonce comme un nouveau drame. Pendant une semaine, ils vont devoir revivre le calvaire subi par leur fille 3 ans et demi plus tôt. Il me paraissait tout à fait évident que ça ne mettait pas fin au drame, qu'ils n'avaient pas encore véritablement réalisé le malheur qui les avait frappés, qu'ils n'étaient pas encore à même de surmonter cette épreuve extraordinaire. Premier jour d'audience, Stéphane Kraut fait son entrée dans une salle bondée et silencieuse. Il est menotté dans le dos, donc il arrive comme ça, un peu en bombant le torse. Ça donne une image de lui d'emblée assez négative, assez fanfaronne, petite frappe qui n'a pas beaucoup de sentiments, quoi. Quant à Péroline, eh bien, elle est là, engoncée dans sa doudoune, elle mâchouille du chewing-gum. Elle est collée à son avocate et puis elle a l'air, elle aussi, complètement dépassée par la situation. Madame Schaff, qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Alors le procès, en fait, avant le procès, on nous a déjà expliqué que c'est une comédie, c'est une parodie, que je vais certainement très souvent m'énerver, mais qu'il faudra que je reste calme. Je crois qu'ils ont toujours eu l'impression que j'étais quelqu'un de terriblement virulent. Or, je ne suis pas virulente, mais simplement, je pose des questions précises auxquelles j'aimerais avoir des réponses précises. Et c'est des réponses qu'on ne veut pas me donner, souvent. Quand vous partez pour le palais de justice, votre autre sujet de colère, c'est le chef d'inculpation de Péroline Garino. Tout à fait. Depuis le départ, je voulais qu'elle soit mise comme complice. D'assassinat.
d'assassinat. Pour moi, une femme qui est mère d'un bébé de 3 mois, qui puisse dire à son copain, bah, écoute, si tu as fait une bêtise, bah, c'est pas compliqué, on va aller réparer ça en la brûlant, en brûlant le corps d'une jeune fille, il y a un côté monstrueux, il y a un côté garce. Les mots ne plaisent peut-être pas à la société, mais je pense que ce sont quand même les mots exacts. Une femme qui se dit avoir été battue, qui a peur de l'assassin, à la rigueur, elle aurait pu lui dire, bon ben, tu y vas, moi je reste ici. Et puis en attendant, elle prenait son gosse sous le bras, elle allait le dénoncer. Ça me paraissait plus normal, en tant que comportement humain de mère, puisqu'elle est mère, que de dire, bon ben, je vais avec et je t'aide. Tout le monde guette les deux accusés. Vont-ils se parler, au moins se regarder? Ils ne se sont pas revus depuis plus de 3 ans, et ils sont assis à quelques mètres de distance. Non seulement le regard de Kraut ne s'arrête pas sur Péroline, on a l'impression qu'il glisse de ceux qui ne la voient pas. Quoi. Il n'y a pas d'échange de regard, de vrai échange entre anciens complices, anciens amants et parents d'une même fille. L'audience démarre par l'examen de la personnalité de Stefan Kraut. On évoque son enfance dramatique, son origine peut-être incestueuse, ses 2 adoptions ou ses relations avec ses parents adoptifs. Mais Stefan refuse de se livrer. Il est très fermé, il a beaucoup de mal à parler de lui-même, à parler de son histoire. Il explique simplement qu'effectivement, ses parents adoptifs étaient de braves gens, mais que quelque part, lui et eux ne se sont jamais vraiment compris, qu'ils n'étaient pas du même monde, que la religion, tout ça, c'était pas son truc. Le président de la cour appelle à la barre son père adoptif, André Kraut. Il l'interroge sur le contenu du fameux journal qu'il a consacré à son fils. Tout y passe. Les crises de somnambulisme, les séances chez l'exorciste, les accès de violence. Mais André Kraut cherche à minorer l'importance de ces événements. Et à la barre, au contraire, il s'est montré extrêmement mesuré. En aucun cas, il n'a dépeint l'accusé comme quelqu'un de machiavélique ou de voilà. Non, pour eux, et je pense que c'est toujours le cas, pour eux, Stéphane reste leur fils, malgré tout. Et la maman de Stéphane, qui à son tour viendra déposer à la barre, terminera en disant quelque chose comme « on pardonne tout à son enfant, y compris le pire et y compris l'impardonnable ». Mais le message des parents ne passe pas. C'est l'image d'un Kraut violent et monstrueux qui l'emporte. Le lendemain, la cour aborde l'examen des faits. Stefan Kraut répète ce qu'il a toujours affirmé depuis le début de l'affaire. La mort de Karine résulte d'un malheureux accident de la route. Cet accident de la circulation, je l'ai provoqué, certes, parce que j'étais alcoolisée, parce que j'avais fumé, parce que la configuration de la route est faite comme ça, parce que je roulais trop vite, je ne l'ai pas vu, je l'ai percuté. Partant de là, effectivement, j'ai paniqué. J'ai chargé Karine dans ma voiture, j'ai voulu l'emmener à l'hôpital. Et après, j'ai vu dans la voiture qu'elle était mal, elle avait les lèvres bleues, elle avait les yeux qui révulsaient. Je me suis dit, c'est une catastrophe, elle va mourir. Et Kraut poursuit son terrible récit. Karine meurt dans la voiture, étranglée par les lanières de son sac à dos, coincée dans la portière. Paniqué, il se dirige vers la forêt qu'il connaît bien et y dépose la jeune fille. Il reviendra en pleine nuit avec Péroline, mettre le feu au corps. Kraut n'en démord pas. Il n'a jamais souhaité la mort de Karine. C'est un homicide involontaire, en aucun cas un meurtre. Les experts de la gendarmerie et les médecins légistes se succèdent à la barre et confirment leurs conclusions. Ils ne peuvent pas prouver le caractère volontaire de la collision ni déterminer les causes de la mort de la victime. Mais sur beaucoup d'éléments, ils sont catégoriques. La vitesse de la voiture, le coup de volant à droite ou les blessures observées sur le corps de Karine, rien ne colle avec l'histoire racontée par Stefan Kraut. Face à ces incohérences, le président se tourne vers l'accusé et lui demande de se justifier. Stefan Kraut n'explique rien. Il dit « Je vous dis que c'est un accident, moi je suis pas expert, ils disent ce qu'ils veulent, mais moi je vous dis la vérité. » Maître Boutier, un des avocats de Kraut, tente une dernière fois de convaincre la cour que c'était une collision involontaire. Il aurait fallu vraiment être un habile cascadeur en prenant
toutes les mesures précises. Et dans l'état dans lequel il était, on va y revenir, mais c'est quand même, il est sous imprégnation alcoolique, cannabique, il est en manque de sommeil, il a fumé énormément. Autrement dit, il y a tous les facteurs aggravants pour ne pas maîtriser sa conduite. Eh bien, l'on dit non, vous aviez toutes les capacités, justement. Vous étiez un très bon conducteur et vous avez parfaitement maîtrisé jusqu'à faire renverser volontairement Karine Schaff à 30 ou 40 km/h. C'est remarquable. C'est au tour de Péroline de venir livrer sa version des faits. Elle confirme qu'elle est bien revenue avec lui dans la forêt brûler le corps de Karine. Mais impossible de savoir qui a eu l'idée de ce retour macabre et de comprendre qui a fait quoi cette nuit-là. Alors c'est vrai que Stéphane et Péroline, quelque part, comme des enfants, comme s'ils ne mesuraient pas la gravité de leurs actes, n'ont cessé finalement de se chamailler, de se renvoyer la responsabilité. Non, c'est pas moi qui ai allumé le feu, c'est toi. Non, c'est elle qui a déversé les bouteilles d'essence sur le corps et puis qui ensuite s'est enfui quand ça a un peu explosé. Tout ceci semblait dérisoire et en même temps totalement hallucinant quoi, par rapport à la monstruosité de l'acte. Le président de la cour interroge les deux accusés sur cette incroyable relation sexuelle qu'ils ont eue dans la forêt, près du cadavre. Il y a ce côté qui choque, évidemment. Ils emmènent le bébé, enfin la petite Léa, qui a 3 mois, ils l'emmènent dans la voiture. Donc elle dort pendant qu'ils sont en train de faire brûler le corps. Et puis ensuite, on trouve donc un préservatif sur place. Ils auraient fait l'amour sur place. Ils le disent d'ailleurs, enfin ils s'en cachent pas. On imagine la scène quand même. On est dans l'horreur, le macabre, et ça... Vous imaginez l'effet que ça peut produire sur des jurés. Puis Péroline enfonce définitivement son ancien compagnon. Elle confirme que quelques jours après le drame, Stéphane lui a bien avoué avoir violé et tué Karine dans la forêt. L'avocat de la famille Schaff est convaincu que ce viol a eu lieu. Mais je me souviens parfaitement que Kraut a déclaré, ça a été pris au procès verbal, j'ai rêvé, je me suis endormi, j'ai rêvé d'avoir fait l'amour avec une morte. Ça paraît être un aveu implicite. Le fait que, malheureusement, Karine était dénudée, emmenée dans les conditions que l'on connaît dans la forêt, dénudée, tuée, brûlée, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de certitude absolue. Il y a de très fortes présomptions. Stéphane Kraut nie ce viol. Et il s'explique. Si le bas du corps de Karine a été retrouvé dénudé, c'est parce qu'il a traîné la jeune fille sur une dizaine de mètres dans la forêt et que ses vêtements se sont pris dans des racines. Le fait qu'il ait retiré volontairement ou non le bas, qu'il se soit retiré avec les racines ou non, eh bien ça ne démontre pas par la suite que nécessairement il y avait un viol également. Donc là aussi, c'est un élément trop faible de toute façon pour le condamner pour un viol. Au bout d'une semaine d'audience, le procès s'achève sans certitude. Kraut a campé sur ses positions. On ne saura donc jamais ce qui s'est précisément déroulé le 22 juillet 2001, ni comment Karine est morte. Mais pour l'avocat général Madeleine Simoncello, la culpabilité des deux accusés ne fait aucun doute. Son réquisitoire est sans concession. Elle a parlé de prédateur, elle a parlé de couple diabolique, un couple diabolique qui s'était accouplé comme... des animaux, après avoir accompli leur basse besogne, ce sont ces mots exacts qui ont martelé pendant le réquisitoire. L'avocat général requiert contre Stéphane Kraut la peine maximale. Perpétuité avec 22 ans de peine de sûreté. Et contre Péroline, 3 ans de prison. Et elle s'en excuse en disant « Je sais par avance ». Que ce verdict ne sera pas compris, que quelque part la participation crapuleuse de Péroline mériterait beaucoup plus, mais je ne peux pas faire autrement que de requérir 3 ans d'emprisonnement. Vendredi 22 octobre 2004. Après 3 heures de délibéré, le verdict tombe. Stéphane Kraut est reconnu coupable des 3 chefs d'accusation. Séquestration, viol et meurtre. Il est condamné à perpétuité avec 22 ans de peine de sûreté. Péroline prend 3 ans de prison. Madame Schaff, Stéphane Kraut est condamné à perpétuité pour l'assassinat de votre fille. Sa compagne Péroline est condamnée au maximum, c'est-à-dire 3 ans de prison. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce verdict ?
au moment où ils annoncent la peine, oui, c'est un soulagement. À ce moment-là... Mais... Ça méritait ça. Ah, bien sûr. Pas moins. Ah non. Plus c'était pas possible. Plus c'était pas possible. Pour Péroline Garino, non. Kraut a donc fait appel. Oui. Pas Péroline. Et aux assises de Nancy, sa peine a été allégée. C'est-à-dire qu'il a pris 30 ans de prison avec 20 années de sûreté à l'issue du deuxième verdict. Et là, vous explosez. Oui. C'est-à-dire toutes ces semaines à vous contrôler, là, vous tenez plus. C'est vraiment une pièce de théâtre quand vous revoyez ça par... avec le recul. Oui, c'est du théâtre. Cruel pour les victimes. Mais vous voyez au premier procès l'assassin qui se la coule tranquille, se balance sur sa chaise, mâchant un chewing-gum. Et le deuxième procès, vous avez l'impression pendant 6 jours qu'on a laissé couler 18 mois entre deux procès, qu'on leur donne la chance d'un deuxième procès pour qu'ils puissent apprendre à jouer mieux leur rôle. Et donc vous vous asseyez. Le verdict tombe. Et notre avocat vient vers nous et il dit il a eu 30 ans avec 20 ans incompressibles. 30 ans. Là, il y a quoi? Il y a une explosion de colère? Vous trouvez ça dégoûtant qu'on ne condamne pas alors qu'il y a tout qui est reconnu, qu'on ne le condamne pas de nouveau à la perpétuité? Quand vous quittez la salle d'audience, vous dites cette phrase: quand il sort, je le tue. C'est un fait. Je ne la nie pas. Vous l'assumez? Je l'assume. Condamné à 3 ans de prison, Péroline Garino a passé 1 an et demi en détention. Elle est sortie de prison aujourd'hui et elle a eu une petite fille avec son nouveau compagnon.